À la fin de l'île, on a fait tout ça, donc du chaud, du froid, c'est un voyage, un peu d'oublier, mais qui est parsemé de toutes ces contradictions, d'une façon assez forte possible. Et puis la paysannerie, comme on aime aussi, petite évidemment, parce que la ronde, on la voit pas. Et la route est fantastique. À l'époque où on y était, là, on passait 15 barrages dans la succession. Non, c'est très touchant. C'est inoubliable, ça fait partie des voyages inoubliables. Du point de départ, quitte l'absence, alors que c'est d'une réalité folle. Mais il y a quelque chose au-dessus qui me plaît comme ça. C'est très littéraire, quoi. C'est un peu injuste par rapport à la Colombie, parce que c'est vertigineux la Colombie. Ça, il y a quelque chose un peu... C'est mystique aussi comme la Colombie, c'est différent. On peut pas là. Colombie, partout. Le voyage, ça serait ingrat. Ça serait ingrat pour le voyage. Il est toujours très très beau au moment où on vit. Exceptionnel.